politique, les Républicains ont débuté aujourd'hui leur journée parlementaire à 3. À 3 hmm? Ils ont vraiment tous basculé chez Macron. Hein. Non, à 3 dans l'aube. Ah, ils font ça le matin? Non. Bon, pour être plus frais, remarqué, c'est pas... Laissez tomber. Politique toujours, après avoir perdu sa dignité, le Parti Socialiste va perdre son QG historique, puisque leur siège de Solferino est à vendre. Et s'ils n'ont plus de siège, ils vont vraiment finir par être en marche. Célébration, c'est aujourd'hui le premier anniversaire de la construction du mur de Calais contre l'intrusion des migrants. Bah ça c'est complètement con, du coup ils pourront pas venir à la fête quoi. C'est mal foutu leur truc, hein, vraiment. International. Hier à l'ONU, le président Trump a menacé de détruire totalement la Corée du Nord. Et c'est flippant. Mmh. Bah, ce qui est vraiment flippant, c'est qu'il sait pas vraiment où c'est. Donc du coup, il reste d'y aller un peu au pif, quoi. Mmh. Mmh. Et pendant que Trump veut tout faire péter, Emmanuel Macron et ses amis militent pour la déclénarisation. Pardon ? Oui. Explication payante avec des images gratuites. Vous avez orthophoniste ce soir? Mais qu'est-ce que c'est que ce mot, enfin? Qui écrit ces fiches? Vous êtes comédien aussi. Un petit peu.